C'est beaucoup de choses, une route. C'est un moyen de communication, c'est un vecteur de transport. C'est aussi un lieu de mort. Sur la moto, j'étais plus sur terre. Je suis à 150 km/h. J'arrive à ce moment-là. L'autre, elle arrive toujours aussi vite, toujours aussi vite. Et puis paf, la bagnole. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter tout. Et le choc. Bah, c'est terminé, la vie a basculé, le choc est arrivé. Un véhicule devient un projectile à partir du moment où il échappe au contrôle. Et c'est un petit peu cette situation inattendue, totalement piégeante, en fait, qui fait que le véhicule devient un projectile. L'énergie cinétique, c'est le produit de la masse par la vitesse au carré. Donc au plus un véhicule va vite, au plus son énergie augmente. Si vous devez freiner en urgence, si vous devez vous arrêter, vous allez devoir dissiper cette énergie. L'énergie va être dissipée d'abord lors du premier choc, c'est-à-dire le véhicule contre l'obstacle, s'il y a un obstacle, qui peut être en mouvement ou qui peut être un obstacle fixe. La deuxième partie de l'énergie, ça va être vous-même contre les parties de l'habitacle ou de la ceinture de sécurité ou l'airbag à dissiper. Et ensuite, les organes à l'intérieur du corps vont aussi dissiper une certaine quantité d'énergie. Nous sommes le 21 juillet, il fait beau, nous nous apprêtons à partir à une messe de mariage. C'est moi qui donc prends le volant, je suis accompagnée de ma mère et une de mes sœurs. Nous rentrons de cette messe de mariage et à une intersection, on a eu la malchance de rentrer en collision avec un monsieur qui roulait trop vite et qui avait aussi trop bu. L'effet de l'alcool amenant une euphorisation, une surcompensation de soi, amène obligatoirement un manque de contrôle, donc obligatoirement des excès de vitesse. Et dans l'expérience qu'on a ici, tous les taux d'alcoolémie statistiquement sont aussi en excès de vitesse. Moi je fais du 60 à l'heure, lui a une vitesse excessive, sûrement 100 km/h. La collision se produit très violente. Alors incontestablement, le choc latéral est le plus dangereux de tous les types de chocs, parce que là justement il y a très peu de possibilités de dissipation d'énergie dans la structure du véhicule. On m'entraîne sur 6 mètres, la voiture heurte un talus, la voiture se retourne, ma mère éjectée, moi prisonnière dans la voiture, avec des douleurs de dos, ne sachant pas ce qui se passe. Les centres nerveux sont protégés par de l'os au niveau du crâne pour protéger le cerveau et au niveau de la moelle épinière par l'intermédiaire de la colonne vertébrale. Au-delà d'un certain choc, le système osseux est fracturé et tout de suite après, le système nerveux est lésé définitivement. Cette autre route que j'avais choisie d'une vie avec pleine de projets, celle-ci s'est arrêtée. J'ai remis les gaz devant chez moi, jusqu'à 150 km/h. Pas ignorant qu'on vit dans le Loir roule à 45, mais moi il fallait que je me montre, il fallait que quand je passe dans Anche, on sache que c'était Thierry qui passait. Je savais que je roulais trop vite. Était immortel. La mort n'existe pas. J'étais dans un autre monde. Je négocie mal la courbe que j'ai pris 1000 fois dans ma vie. Et malheureusement, j'ai glissé sur une plaque d'égout. Peut-être, je me dis, c'est pas mon jour. Non, c'est pas vrai. C'est pas là. J'ai pas pu rattraper la moto. Et manque de chance pour moi, il y avait un camion qui arrivait juste en face. Et là, j'ai tapé le camion sur le côté, qui m'a envoyé dans une Mercedes. Pour un motard, en fait, le problème est un peu différent, puisqu'effectivement, il n'est d'abord pas couplé à son véhicule. Et lorsqu'il va rencontrer de façon inopinée un obstacle, ou qu'il va chuter simplement sur la chaussée, la première partie, en fait, ça va être de l'énergie cinétique. C'est la propre vitesse avec laquelle il était animé quand il était sur sa moto. Il va continuer à la même vitesse en fait sur la chaussée, avec d'abord des possibilités de lésions de type lésions par brûlure et par frottement sur le revêtement. Et puis en fait le plus dramatique, ça va être lorsqu'il va éventuellement rencontrer un obstacle. Malheureusement, d'un hobby, d'un trésor, d'une folie,
eh ben, je me suis, pour moi, je me suis tué. Je me suis détruit à cause d'Aimé. Incendie sûrement. Je me souviens pas, mais c'était sûrement 110. Et ce virage-là, pourtant, j'avais l'habitude de le prendre, je le prenais tout le temps, tous les jours. Les capacités dynamiques du véhicule ne résistent pas à la force centrifuge, et là, vous allez perdre le contrôle, vous n'allez pas maîtriser le virage. J'ai pris la chaussée sur le côté, à droite, à ma droite. J'ai voulu me rattraper. Et après, j'ai carrément traversé la route. Dans ce cas-là, le premier réflexe de l'usager, c'est de mettre un grand coup de volant pour revenir dans sa trajectoire. Et à partir de là, c'est à peu près 10% des cas d'accident en virage. Donc les usagers effectuent ce qu'on appelle un appel contre appel, qui conduit inévitablement à une perte de contrôle du véhicule. J'ai foncé dans les rigoles. Dans le talus de la rigole, la voiture elle a buté. Elle a fait une marche arrière. Et après, elle a foncé dans l'arbre. De circulation, hein, parce que c'est le mois d'août, donc il y a du monde hein, quand même, il y a quand même des touristes qui commencent à s'en aller, d'autres qui arrivent, ça bouge, c'est sur la côte en plus. Donc on se tire un petit peu la bourre entre les voitures, et puis on continue, puis c'est énervant ces voitures là, qui avancent pas, c'est énervant, surtout que nous on a des machines qui marchent bien, puis on les maîtrise bien. Il est clair que les motocyclistes adoptent une vitesse plus élevée. Le véhicule le permet. Le collègue, il lance la wash. On suit. On se colle, on se suit. On double les voitures. C'est super, il fait beau, il fait chaud. C'est peut-être que la vie est peut-être quelque part, pour certains, moins excitante. Il manque peut-être quelque chose. Et que le fait d'aller vite pour tout, c'est un peu comme une excitation. C'est une façon d'avoir une impression que l'on vit, qu'on vit pleinement. On se regarde, on se lance un regard, c'est le regard, c'est moi qui t'aurai. C'est moi qui t'aurai, je t'aurai. C'est moi, non, c'est toi, c'est ma machine la plus puissante. C'est la mienne la meilleure. Non, non, c'est moi le meilleur pilote. T'as peut-être la plus rapide, mais moi j'ai. Enfin, hein. Et puis paf, la bagnole. Ça, on l'avait pas prévu ce coup-là. C'est la bagnole. Elle veut tourner à gauche. Manque de pouls, il y a une autre en face qui veut tourner aussi au même endroit. Code de la route oblige, elle s'arrête sur la route. Nous, on arrive en pleine ligne droite. Le motard arrive à une intersection avec un niveau de sollicitation du véhicule trop élevé, c'est-à-dire il roule trop vite. Il y a quelqu'un qui sort de l'intersection, qui veut tourner à gauche ou qui veut tourner à droite, n'a pas perçu correctement le motard, et il va arriver à la collision. Le collègue, je le vois debout sur ses freins. Debout, je l'ai vu debout sur son frein à pied, et debout sur le frein. La roue qui fume sur 70 mètres, il a freiné sur 70 mètres. Un blocage de roue signifie une moindre adhérence sur la chaussée, donc une distance de freinage qui va être augmentée d'autant. Il passe à droite, lui. Lui, il passe à droite, lui. À 90, peut-être. Il arrive à descendre sa vitesse jusqu'à 90. Il passe à droite. Nous, on peut pas. On va tout droit, c'est terminé. Alors, on se rabat à droite. On freine. Pff, trop tard pour rétrograder. Debout sur les freins. Merde, l'impact. Trou noir. Je fais mon vol plané.